Et bienvenue dans les tutos de Soso. Alors aujourd'hui, on va revoir ensemble les déplacements des hanches de son cheval pour préparer son galop. Alors déjà, je vais expliquer ce que c'est les déplacements des hanches. Donc le cheval, quand il marche, il a globalement les antérieurs et les postérieurs du même côté qui s'alignent sur une même ligne. Donc l'antérieur gauche est aligné avec le postérieur gauche. Quand on va déplacer les hanches de son cheval, les postérieurs vont plus être sur la même ligne, d'accord? Donc par exemple là, vous allez voir, je vais déplacer les hanches du cheval vers la droite, donc vers l'extérieur. Et là, on va voir que le postérieur gauche vient se croiser sous la masse de mon cheval. Alors, on va revoir maintenant ensemble du coup la position à avoir pour faire l'exercice. Parce que 90% de la réussite, c'est votre position. Si vous n'avez pas la bonne position, le cheval ne va pas pouvoir faire l'exercice correctement. Donc déjà, dans un premier temps, il faut bien s'asseoir dans la selle, se grandir, les épaules légèrement en arrière de la verticale, la tête bien droite qui regarde loin devant. Ensuite, vous pouvez dans un premier temps enlever les étriers pour avoir la jambe qui descend bien le long du cheval. D'accord ? Pour le déplacement des hanches, si vous êtes chaussé longueur obstacle, ça va être compliqué. D'accord ? Il faut avoir longueur dressage, voire le mieux en selle de dressage. Ensuite, vous allez du coup mobiliser les hanches de votre cheval grâce à votre jambe. Donc, si je veux mettre les hanches de mon cheval à gauche, c'est ma jambe droite qui va reculer. Alors, je ne la recule pas juste à partir du genou. Si je fais ça, ça ne marche pas. D'accord ? Pareil, je n'ai pas besoin d'aller lui chercher la hanche littéralement. D'accord ? Parce que là, du coup, il ne va rien se passer. Donc, ma jambe, je la garde bien descendue, talon vers le bas. Et je vais essayer de reculer à partir de la hanche. Tac, d'accord? J'ai pas besoin de reculer plus que ça. Ok, je suis là, je recule légèrement. Et là, je vais appuyer de façon discontinue. Donc j'appuie et je relâche. Voilà. On va appliquer la position sur le cerf. Donc, je commence mon cerf, je recule ma jambe droite à partir de la hanche, je pousse les hanches. Et en même temps, mon couloir de reine va conserver le cheval sur la taille du cerf. C'est-à-dire que ma reine gauche, elle va venir légèrement en appui sur l'épaule gauche pour éviter que le cheval agrandisse le cerf. Voilà, je recule la jambe droite. Il faut faire attention que la jambe gauche s'éloigne pas du cheval, hein. Vous ne devez pas avoir la jambe gauche écartée comme ça pendant le mouvement. Donc, pour mettre les hanches à droite, cette fois je recule la jambe gauche, je garde bien le regard vers la droite, mon poids du corps bien centré, j'appuie pas plus d'un côté que de l'autre et ma jambe droite reste au contact. Voilà, on a revu ensemble comment déplacer les hanches de son cheval. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser un commentaire ou à envoyer un mail. J'espère que ça vous a plu et puis à plus dans un autre tuto.